Bonsoir. Aboua Bakar et Aboua Badré, bienvenue à la chorale Princesse Bateke. Princesse Aline depuis Lyon, Mandirabe. Bienvenue à notre princesse Justine Ndoumba. Nos salutations. La croix. Ndari Abdrabe, Ndari Akari, Akari Batre, Abourame, la Vela Kourabe. Ndari Abdrabe à ma dimanche, Rokoua Abdrabe, Kouroua et Princesse Bateke, Mouya Oua Abdrabe, Sime Kim la Abdrabe, Mouyale Kaba, Anda Masira Kourou Akala, Mouyale Sile Kaba Ambra, Anda Masir Badab la Banana, la Vela Kourabe, Mandari Abdrabe à ma dimanche, Kouroua et Princesse Bateke, Kasimara Abdrabe. Bienvenue à vous, mes rois, mes reines, mes princes, mes princesses. Bienvenue et merci à vous d'honorer voilà, à ce rendez-vous hebdomadaire. La cour royale princesse Bateke, princesse Adeline de Lyon, je vous adresse donc mes salutations. C'est le moment où nous retrouvons, c'est le moment de l'accueil, toujours dans notre folklore musical. Je n'ai pas de droit sur les musiques que nous allons jouer ici, c'est vraiment pour la promotion. Comme d'habitude, la promotion de notre folklore, le beau folklore teké. Donc, je n'ai vraiment aucun droit sur les musiques ici. D'ailleurs, rendons, n'est-ce pas, à César ce qui est à César, comme l'on dit. Donc, la musique ce soir, actuellement, elle est de Prudence, la reine teké. Donc, Prudence dans le chant de Yala Yala, voilà. De Ngam pour Sinokier, voilà. Donc, la reine Prudence, nos hommages et merci encore de faire vivre notre belle culture à travers les chansons, à travers les chants et les danses. Voilà ce rythme qui égaye vraiment notre âme, qui nous alimente, qui nous nourrit de l'intérieur. Merci vraiment de toujours garder le cap de cette culture à travers vos chansons. Merci, rendons hommage donc à notre reine Prudence. Voilà. Merci à vous. Merlet Alompier, bienvenue à toi mon prince. Honoré de te recevoir à la cour des rois, à la cour des princes, à la cour des reines et des princesses. Bienvenue à vous. Manifestez-vous par vos écrits en dessous voilà, de la vidéo pour que je puisse vous adresser les salutations. C'est notre moment, voilà, c'est ce petit temps-là qui est réservé pour les salutations parce qu'en cours de live, il m'est un petit peu... il n'est pas assez évident voilà, de m'arrêter et puis saluer tout le monde. C'est vraiment le moment. Donc voilà, faites un coucou, un petit signalement pour que voilà, je vous passe les salutations. Donc voilà, toujours ma dit la fala, avec midi ma la terre, mais les brebes les lèvres, la lèvre, la lèvre, donc il m'a bien la boue. Donc en ce moment, ma bigabe, barbali mokwaou, à kabla liganga, la tendrantina vidéo, même pas bamboutabe, même pas bamboulabe, mambra malibe. Donc princesse Adeline, princesse Teke depuis Lyon, ma bigabe. Moi Namboka, bienvenue à toi, parfait, c'est vraiment le moment, c'est la réception, c'est le temps d'accueil, c'est maintenant que nous allons nous passer les salutations, inviter les enfants, inviter les jeunes, voilà, la cour royale princesse Bateke est un devoir de mémoire pour notre peuple, voilà, faire ce relais pour transmettre justement à cette génération nos us et coutumes, l'héritage également de ce que nous ont légué nos parents et également nos parents qui ont reçu ces connaissances de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, il faut vraiment mieux se connaître pour pouvoir affronter la mondialisation. Ces enfants qui sont un petit peu, comment dire, en contact avec les nouvelles mœurs, qu'on va dire, il est bon vraiment de remplir ces enfants de nos connaissances. Il est bon de remplir ces enfants de nos cultures et de nos coutumes, de telle sorte que voilà que le peuple teké soit toujours dans la continuité et qu'il puisse se prolonger. Si aujourd'hui nous parlons la langue teké, c'est qu'un héritage nous a été transmis à nous aussi voilà de faire le relais pour que les enfants ne soient pas en reste et qu'ils puissent vraiment affronter la mondialisation avec la connaissance de qui ils sont. D'où viennent-ils et puis ben voilà de leur histoire, de notre patrimoine, le patrimoine commun. La vela bella, la vela bella, la courabe.
Max Oye, bienvenue à toi mon prince. Voilà, comme je disais, voilà, je n'ai pas de droit sur les musiques que nous passons ici. C'est vraiment pour la promotion, voilà, faire aussi le relais à travers les chants. C'est voilà, écouter toutes ces musiques-là. Qui ont aussi un message à véhiculer. Ce ne sont pas que des chants pour le plaisir ou pour distraire, mais ce sont des messages qui sont également véhiculés à travers ces chants-là. Donc bienvenue, 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 quelques instants voilà, dans ce folklore. Je n'ai aucun droit sur ces musiques, je le rappelle encore, voilà, pour les droits d'auteur, je n'ai pas de droit sur ces musiques, c'est juste pour la promotion musicale. Donc ce soir, Prudence Yala Yala, notre reine, mes salutations et hommages à notre artiste. La Bella Bella, Bella Bella Akourabe. Donc comme je disais, que Cour Royale Princesse Bateke, nous avons institué des principes. Donc aujourd'hui nous sommes au live numéro 36. Donc chaque dimanche, pour les personnes qui arrivent, quelques rappels, vous dire que nous nous retrouvons ici chaque dimanche, voilà, pour passer le relais, passer le flambeau, parce que voilà, la jeunesse, ce peuple qui sera appelé le peuple teke de l'an 2050, l'an 2100 et voire plus, l'an 2500, que ces enfants soient vraiment équipés. Donc aujourd'hui, nous parents, la responsabilité nous incombe de telle sorte que ce devoir est le nôtre de transmettre ces connaissances-là. Voilà. Alors, tout ce que je véhicule ici n'émane pas de mon imagination. Je vais au contact donc des patriarches, des anciens. Je vais au contact des écrivains, des historiens, également des anthropologues, voilà, pour exhumer notre histoire, exhumer notre patrimoine, de telle sorte que ces enfants, lorsqu'ils viennent par là, sur ces nouveaux moyens de communication et de partage, bien évidemment, c'est un lieu de partage. Donc le lieu de partage qu'est aujourd'hui les communications via les réseaux sociaux, autant pour moi, que les enfants aussi trouvent cette part de culture, que les enfants trouvent également cette part de repas culturel, qu'ils ne s'abreuvent pas que des choses voilà, éphémères ou alors de l'actualité banale, mais aussi qu'ils aient cette possibilité d'avoir ce repas culturel de leur histoire, de notre patrimoine commun. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que la Cour Royale Princesse Bateke dresse quelque part son canevas. C'est une passerelle pour le devoir de mémoire de notre peuple. C'est une passerelle pour rendre hommage au père fondateur de notre beau peuple, le peuple teke. Voilà, j'ai quelques notions de rappel. Donc, ici, à la Cour Royale Princesse Bateke, nous avons ce principe-là. C'est vraiment les salutations au clan et en langue, pour que cette notion prenne vraiment toute la profondeur et garde son sens premier. Voilà, donc nous allons adresser les salutations à nos clans. Hein, nous allons laisser vraiment que les personnes arrivent. Nous sommes à la barre des 6, allons jusqu'à la barre de 15 pour pouvoir amorcer vraiment notre live. Partagez le live, ce n'est pas vraiment, un nombre sans signification. Lorsque vous partagez, vous permettez justement à ceux et celles qui n'ont pas encore connaissance justement de cette page, ceux et celles qui n'ont pas encore connaissance de cette passerelle, de venir nous rejoindre et aussi récupérer le message qui est le nôtre, donc le relais de notre héritage. Donc lorsque vous partagez, c'est vraiment votre part également à ce devoir de mémoire qui est le nôtre. C'est ensemble, nous allons reconsolider ces maillons-là. Ensemble, nous allons faire ce devoir de mémoire parce que nos aïeux seront quelque part honorés de nous voir aujourd'hui retransmettre ces éléments-là. Ce n'est pas en vain. Lorsque nous nous retrouvons ici, c'est vraiment pas convoquer l'audience juste pour faire plaisir ou bavarder sans profondeur. Nous avons une profondeur, nous avons des sources, donc nous nous reconnectons à notre source, la source originelle, donc celle du peuple teke. Donc vous, en vos lieux, lorsque vous partagez, lorsque vous invitez, lorsque vous taguez les amis, les enfants, les connaissances, voilà, c'est vraiment participer à ce devoir de mémoire. Ici à la Cour Royale Princesse Bateke, nous apportons les grandes lignes, mais vous aussi, ensemble,
Voilà, essayons d'établir ce maillon-là pour que cette chaîne soit vraiment reconsolidée. La vela bela vela bela kababe barandam la fala. Ninga ya be le la ya ke se braba live. La ndi kele selma live be. Bela tue la bua, bela tue le bana, bela tue na nkono. Bela tue le bana ba braba ni braba mba la yenga. Mvara mi ya tara braba angura braba ankara braba. Bon ami, nga mi sira mbara yera ma braba. Nga braba ya angu, braba ya ankara, braba sa vela singine. Et si ma ba sir baraka la enda juma, braba la kaba juma ban ban bela mi kulaba. Mbare bosse kale ye ba l'an 2100. L'an 2300, 500 quoi. Bosse baya et kim la terrenine, bosse mbari, baye re, c'est ma bia, ma banabo. Donc, quand on a ramené Bella Kaba live, King Nigasima, Kale sang, ni brebela la sana, ou brebela se bonya. Et Bessele sa, Kasima a si de bada, Brega Kuna Kuwa, la princesse Bateke, Kale ya marase, smabi, a kabrile obo, be mambua, be Bella Kabi, a live ba, Bella Kabi, mission bi, ni bari, bana se bayou, smabi. Bana se bayuga andara masir badabla banana box okuro asidri Ankara brabe afakala les ancêtres afakala ma brabe les ancêtres mendelendi Dieu la fala les ancêtres nga brabe afakala nga afakala li bonga ba yuga brabe les esmabi ikim la sirbo bose nga gali bo mambwa bo ba mono ve ngini kasima sirbo ke ka jumangi kasima sirbo ke ka jumangi donc la kaba live mandraye ni bana bayuwe sama basiribo ni bana bala mekula baba ya andarama ba mono tega mandila o tega otu non o tega veya e kim lande donc bana bala mekula bele la mondialisation ali a video e sima dio le tout ba mono jonga ka ka baba live ba ma sara sima kia indaka ya brebe bore ke indaka ya ku wal ko sis batike selmani ka sima brebe bore avela yeni mojo ndi andu ya kajuma makimi barba tege brebela juma la timi ni ni bana baywa esima ba sirba dabla banana donc la kaba live ma sima kia inda ya brebe se ya be se mambuga be la kaba be se ngale sa devoir de mémoire voilà donc en langue teke c'est ce que je disais tout à l'heure en français donc établir ce devoir de mémoire ensemble pour la princesse bateke apporte les notions. Et en lieu et place où vous êtes justement, c'est de relayer l'information en publiant ou en partageant voilà, ces vidéos-là, ces émissions, bien évidemment. Donc, nous sommes au numéro 36 donc, de notre émission Kourwa Princesse Bateke. Nous allons passer donc les salutations à Elmeba. Bienvenue à vous, princesse ou prince. J'ai pas trop voilà la notion. Alors nous allons également saluer Léon Okori. Bienvenue à toi mon prince. Donc les salutations au clan. Je vais adresser donc ces salutations à nos clans dans la langue principalement, comme je disais. Alors je fais deux actions à chaque fois. Hein? Donc Brabegalé pourra avec la tuelle à bois Marankou. Mais donc les salutations au clan. Donc, nous allons passer les salutations au clan en langue. Pour les personnes qui n'ont pas encore effectué cette petite recherche, je vous encourage vivement à faire cette recherche-là. C'est vraiment d'une importance capitale parce que c'est vous reconnecter à votre histoire, vous reconnecter à votre arbre généalogique. Voilà. C'est vrai que le peuple Teke est un peuple, comment vous dire, c'est un peuple qui est assez grand et qui est fier de par les connexions et les ramifications de la parenté. L'homme teke n'est pas individuel, l'homme teke est toujours dans l'ensemble, et l'homme teke ne parle jamais à son nom propre, mais il parle toujours dans le nous et le groupe. Voilà, donc nous sommes vraiment ce groupe-là, perpétuons cette belle richesse-là. Donc les salutations au clan pour les personnes qui ont vraiment besoin de se reconnecter. Donc je salue déjà mes clans, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc d'abord les salutations à mes clans et ensuite les salutations au clan des personnes qui sont présents ou présentes sur l'émission de ce soir. Agnella Nathalie, bienvenue à toi ma princesse. La vela ou la yibe, la vela bela koura bela kabela tu la boura. Donc les salutations là-bas, ma salutation. Donc, mais je me présente d'abord moi et ensuite présenter les autres. Donc, mais moi aussi, Kini Langoura, mais
Mimbigibé. Mimouane aussi, Kankieni. Kankieni à Tarame, Mimbigibé. Mimouane aussi, Ngamboui. Ngamboui la Tarame, Mimbigibé. Mindal aussi, l'éclat. L'éclat, l'ankarame, Mimbigibé. Donc, ba akim malime. Ba lima ma akim ma, Mimbigibé. Osrankini, Brabem Kono. Voilà, donc, je viens de. Voilà, on vient de se connecter là maintenant. Nyala Nathalie, elle est de Kini, de Akini autant pour moi, de Kankini. Donc Kankini est mon clan paternel. Donc voilà, maintenant, je viens de voir une personne de ma lignée, de mon arbre généalogique. C'est vraiment cela. Lorsque vous allez vous présenter, essayez voilà, de vous présenter aussi également avec votre clan pour que ceux qui sont présents sur le live puissent se reconnecter, pour qu'ensemble, nous puissions magnifier l'arbre généalogique voilà de nos aïeux de nos pères en fait les fondateurs même de notre beau peuple voilà donc l'individu Teke est composé de 4 clans 2 clans paternels 2 clans maternels donc je viens de vous citer là mes 4 clans donc je vais le refaire en français également donc je suis fille de Kini Kini est mon clan maternel alors je suis fille également je suis enfant autant pour moi. Je suis enfant de Kankieni. Kankieni est mon clan paternel. Je suis Ngamboui. Ngamboui est mon clan paternel. Donc, il y a 2 clans sur le volet paternel et 2 clans sur le volet maternel. Ce qui fait 4, la composition d'un clan de l'individu Teke. Voilà. Et ensuite, le quatrième, le dernier, c'est celui de l'appartenance au grand-père, donc père de votre mère. Je vais essayer de rappeler rapidement pour que les personnes qui n'ont pas encore effectué cette recherche puissent comprendre un petit peu la démarche à effectuer. Donc, 2 clans paternels, donc le père et la mère du père, 2 clans maternels, le père et la mère de la mère. Allons dire comme ça pour simplifier les choses et les clarifier. Donc maintenant, je vais saluer et adresser les salutations au clan des personnes qui sont ici, qui ont régulièrement présenter leur clan. Maintenant, nous allons saluer les personnes avec nous ici à la cour royale Princesse Bateke. Donc, maintenant, Mimbira, Asim, Balba, Njakma. Donc, Bali, Moko, Abrebe, au cour royale Princesse Bateke. Donc, les Biga, Mambira Kuni, Asim, comment? La Bigibé. Asim Pani, la Bigibé. Asso Tari, Mimbigibé. Asim Luri, Mimbigibé. Asso Kama, Mimbigibé. Asim Bouli, Mimbigibé. Asim Dia, Mimbigibé. Asim Mbuma Mimbigibé. Asile Kuna Mimbigibé. Asim Pumi Mimbigibé. Asim Cha Mimbigibé. Asol Olina Mimbigibé. Asim Kanchara Mimbigibé. Asim Chad Mimbigibé. Asim Inchono Mimbigibé. Asim Osa Mimbigibé. Asol Sele Mimbigibé. Asim Ganyanya Mimbigibé. Asim Gantaba Mimbigibé. Asilelege, Mimbigibé. Asimbouyi, Mimbigibé. Asindiantaba, Mimbigibé. Asikanpini, Mimbigibé. Asi Olua, Mimbigibé. Asi Lesumu, Mimbigibé. Asi Kakumbu, Mimbigibé. Asi Kala, Mimbigibé. Asi Djigi, Mimbigibé. Babriuga, Okuwa Bo, Babriuga, Akimabo, la tenda Akimabe. Mbrese, tu l'as dit, vous Akimimalimabe. Donc, Brabe Lugu, donc je viens voilà, de saluer également en langue les clans des personnes qui viennent régulièrement sur notre cour royale Princesse Bateke. Donc, c'était les clans Nkomo, Mpani, Otari, Luri, Okama, Mbuli, Ndia, Mboma, Lekuna, Mpumi, Kanta, Olina, Nchono, Osa, Osele, Kanyanya, Kantaba, Lelege, Mbouyi, Ndiantaba, Kampini, Olua, Lesumu, Kakumbu, Edjigi, Ekala. Voilà. Donc, c'était vraiment cette reconnexion-là. Pour les personnes qui se reconnaissent justement dans ces clans-là, nos salutations, cour royale Princesse Bateke, voilà, vous adresse les salutations. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Alors, nous allons amorcer donc le live. Partagez, partagez. Nous sommes toujours sur la barre de 10, 7. Voilà, essayez de partager, d'inviter les enfants. Et voilà,
Donc, nous allons avancer. Alors, notre live s'inscrit sur une durée de une heure et demie, dans ce souci que les personnes dans l'arrière-pays ont souvent des difficultés pour avoir des crédits de connexion. Donc, pour pallier à cela, nous allons vraiment à l'essentiel. Et voilà, comme je disais, qu'ici, pour Royal Princess Bateke, nous apportons les grandes lignes. Vous, en vos lieux, allez approfondir ces éléments-là auprès des grands-parents, auprès des patriarches, pour que vous puissiez aussi vous saisir ou alors vous réapproprier de notre histoire. Alors, pour Royal Princess Bateke, comme je le disais tout à l'heure, en rappel encore, c'est la réappropriation de notre histoire. C'est vraiment passer le relais, le flambeau à ces enfants-là. Alors, pour certains, c'est se souvenir quelque part de ces notions que nous avons occultées avec le temps. Parfois, nous sommes un peu happés avec toute cette nouvelle technologie, avec ce nouveau monde qui nous accapare un petit peu de par nos obligations professionnelles et autres. Parfois, nous oublions. Alors, pour cela, c'est souvent en guise de rappel. Mais pour les enfants que nous avons mis au monde, donc les enfants qui sont nés dans les années 80, 90 à 2000, pour eux, pour ces enfants-là, c'est vraiment une découverte. Donc, permettons à ce que ces enfants-là puissent aussi se saisir de ce message-là en partageant donc les vidéos, en partageant ces émissions-là. Voilà. Et nous allons clôturer donc cette phase et amorcer directement notre live. Donc, le numéro 36. Et le thème donc de ce soir, c'est le Teke dans son espace. Du temps de nos ancêtres à nos jours. Nous allons découvrir qu'est-ce que nous avons concocté voilà, comme recherche par rapport à ce thème de ce soir. Voilà. Donc 36 lives, que nous avons beaucoup échangé, nous avons apporté quelques notions. C'est vraiment dire que les notions même du peuple Teke, lorsque je vais vous inviter et je vous demande hein, humblement, allez regarder ces lives-là, essayez de retirer, voilà, de vous nourrir également de ces lives-là, parce que c'est un travail de fond avec nos historiens, nos écrivains, nos anthropologues, c'est vraiment un travail pour exhumer, essayer de cristalliser notre histoire. Parce que comme on a toujours dit, que nos peuples, c'est des peuples qui ont une transmission ou une conservation de manière orale. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies. C'est l'occasion pour nous aussi de cristalliser ces éléments-là. Parce qu'on a souvent dit, voilà, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui s'arrête, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Donc, pour éviter ou remédier, parfois on se demande comment faire pour remédier justement. Voici l'occasion qui nous est justement donnée. À travers ces moyens et ces nouvelles technologies, c'est de cristalliser aujourd'hui, cristalliser notre histoire. Cristalliser notre histoire passe aussi bien par l'écriture à travers les livres, donc les différents écrivains qui sont nos partenaires, comme je vous citais très souvent, l'écrivain Opie Lebiantsa, l'écrivain historien, écrivain Opie Lebiantsa, l'écrivain, comment dire, l'écrivaine. Maman Eugénie Opoumouaini et plein d'autres. Voilà, c'est vraiment cristalliser notre histoire. Mais encore, le livre, il faut vous apporter justement quels sont ou qui sont nos auteurs qui écrivent l'histoire aujourd'hui du peuple Teke. C'est vrai qu'autrefois, au 15e siècle, lorsque le colonisateur ou alors on va dire ces personnes-là qui sont venues découvrir ont essayer de transcrire notre histoire, ils ont essayé de réaliser du mieux qu'ils pouvaient. Mais n'ayant pas la sensibilité et la fibre qui habite en nous, ils ont fait de leur mieux. Nous n'allons pas voilà, jeter les critiques. Ces personnes ont essayé. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes des personnes lettrées. Nous pratiquons ces langues-là, aussi bien les langues européennes, les langues d'Amérique, hispanique et également germanique. Aujourd'hui, avec toutes ces connaissances, nous sommes à même de pouvoir réécrire ou alors remettre dans l'axe l'histoire qui a été quelque part tronquée par manque de connaissances et n'ayant pas la fibre qu'est la nôtre.
Donc c'est à nous aujourd'hui, voilà, de refaire cette histoire, pas refaire, mais réécrire cette histoire avec vraiment toutes les notions et cette sensibilité qui est la nôtre. Voilà, enfant Teke, nous avons cette connaissance-là. Donc voilà, nous allons un petit peu arrêter la musique ou alors la mettre en sourdine pour voilà, échanger. Donc l'introduction du numéro 36, nous allons voir donc en fait le peuple Teke, l'individu Teke, qui est l'individu Teke. Au cours de ces 35, aujourd'hui le 36, nous avons vu différents thèmes, nous avons abordé différents sujets. Je vous invite humblement à les revoir. Et si vous avez également des questions, notre équipe est là pour répondre, voilà, à vos questions et nourrir quelque part un petit peu vos interrogations. Voilà, nous n'avons pas la science infuse, mais nous nous rapprochons auprès des sages pour voilà, essayer de porter un petit peu ces notions-là. La vela 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 la kura ben dok mdini a chaque fois mandi mala tere mala fala ave mdi mala tere ngini brabele vous n'en connais brabele assez si ma bé ngini la sang de ba na ba brabele mbali c'est pas ça et c'est pas basile ba double la banane donc brabele mauvais si ma bia et me kura rara lou 36 nga et si ma bia ma hier la bo donc kaleya bela yuri bela kabi bela si et si ma ayeni la vru mandile a brabele. Donc là, nous allons maintenant ça live, m'valaye. Donc nous allons amorcer maintenant le sujet. Donc dans l'introduction, nous avons essayé de voir donc l'individu Teke en fait se désigne. Nous ne sommes pas individuels en fait. Le Teke n'est pas une personne individualiste. C'est une personne qui aime partager, qui a cette notion du groupe. Voilà, le Teke n'est pas individualiste. C'est je suis, c'est pas notre sens. C'est nous sommes, même si l'individu Teke se trouve dans un lieu, il se retrouve seul, il va toujours parler au nom du groupe. C'est vous dire, c'est l'amour du partage, l'amour du commun. Voilà vraiment notre priorité, voilà ce qu'est notre richesse. Être ensemble. Il y a cet adage-là qui dit souvent, qui dit toujours, hein, et qui nous guide, c'est la guidance du peuple, que le peuple Teke, la richesse en fait d'une famille ne se mesure pas au bien matériel, mais la richesse d'une famille se mesure au nombre d'individus. Donc l'individu est au centre même de notre richesse. Et cela est traduit en langue, la grandeur d'un village ou la grandeur d'une chefferie se mesure au nombre d'habitants. Lorsque le village est peuplé, qu'il y a des naissances, ben le chef du village est heureux parce que voilà, le village va se densifier. Ce n'est pas les ombres de bananiers qui font le grand nombre. Donc le bananier fait référence au bien matériel. Parce qu'une fois nous avons consommé le régime de bananes, nous allons couper pour qu'une autre plante arrive. Donc c'est éphémère quelque part les biens matériels. Alors, dans l'adage de ces anciens, ils disent « Le village est riche de par le nombre d'habitants et non par les ombres de bananiers. » Et donc, je vais vous le transcrire en langue teke. Ça se dit « Ndimpuru, kabolo, metuebari, ako, eyini. » Les ombres ne font pas le grand nombre du village. Le grand nombre du village se mesure par le nombre de têtes d'habitants. Chef de village, nous avons ouvert à Kakari Bakula, à Kabane Bakula, Bakula, Tiampo, Dendim Pouyewa. Ndara Kele Estimandi, Ako, Amekunangula, Njobari Bali Mako, même si on me connaît, Ako, Makula, Makula, Mamene, Bien Sima Babé, Estime Elantie. Donc, Bali, Otumaliganyanga, et Nabakula Bali. Donc, il y a là, il kim la brabelatere, Mpurawa, ma Bali. Ako e yine yaligi kayumba e sima basirba dabla nana. Donc c'est l'adage de nos anciens. Donc la désignation en introduction
ces principes-là, en fait, le teke était riche de cette, de ce principe-là, le nombre d'êtres et non le bien matériel. Ce qui fait que lorsqu'un teke, hein, autrefois, devait se présenter, il ne dit pas « je », mais il dit « nous ». Même s'il est seul au milieu d'autres peuples, il parle toujours au nom du groupe. Nous avons toujours, voilà, ce sens-là, le partage, l'entraide, la solidarité, voilà, ce qui nous a toujours animé, ce qui a animé nos ancêtres. Donc, par rapport au thème de ce soir, nous allons pouvoir justement aller dans ce sens, dire que du temps de nos ancêtres à nos jours, nous parlons toujours au nom du plus grand nombre. Le teke se reconnaît dans le groupe et non dans le comment dire, dans le sens où nous sommes individuels. Non, on a besoin et c'est ce qu'on nous a transmis. C'est nous, Cour Royale Princesse Bateke, c'est toute la femme teke qui parle. Lorsque nous sommes là, c'est la référence de la femme teke. Nous savons que la femme teke, nous sommes des femmes pudiques. Alors, cette pudeur, c'est un petit peu l'éducation ancestrale de la femme teke. C'est vrai que la femme teke n'est pas celle-là qui arrive comme ça, qui va prendre de manière volubile la parole, n'ayant pas bien réfléchi ou alors analysé les propos à tenir. D'où cette remarque pour certains qui n'ont pas la connaissance vraiment de notre, la lecture de notre... de notre éducation, comme je disais souvent, sur on lit ici sous la Cour Royale Princesse Bateke, c'est que notre éducation, c'est une éducation collective. Donc, la femme a une certaine compréhension, a des comportements. Donc, c'est le comportement du groupe qui va mouler un petit peu la manière et le comportement dans la société. Donc, voilà, la femme teke, c'est vraiment celle-là. La femme pudique, celle qui a la pudeur. Mais cela ne traduit pas que la femme teke ne sait pas s'exprimer. Cela ne traduit pas que la femme teke n'a rien à dire. Non, c'est notre pudeur qui fait en sorte que, voilà, nous avons cette retenue-là. Mais, voilà, avec le temps, les réseaux sociaux ou la mondialisation, ce village planétaire qui aspire ou alors qui engloutit les civilisations qui ne prennent pas le temps de se prolonger, ces civilisations meurent. Comme on le dit souvent ici à la Cour Royale Française Bateke, que nous avons connu les royaumes tels que le royaume Fouta Djallon en Afrique de l'Ouest, les royaumes de Fouta Toro, Fouta Djallon et les Mandingues. Voilà, ce sont les royaumes aujourd'hui qui n'existent plus. Pourquoi? Parce que voilà, la prolongation ou la continuité n'a pas été assurée. Dans notre peuple, nous avons cet avantage que le peuple teke a hérité, donc l'héritage, notre héritage, qui est notre royaume, le royaume teke, qui est en prolongation parce que voilà, nous avons toujours pris le temps de transmettre, de dire voilà, le peuple teke est un peuple, certes, mais nous avons l'héritage du royaume, le royaume teke. D'ailleurs, rendons hommage. Encore une petite parenthèse, hier était donc l'enterrement de notre roi, défunt, le roi Ngampio. Voilà, nous étions endeuillés depuis un mois et bien et demi. Voilà, notre roi s'en est allé, voilà, à travers son grand voyage, rejoindre ses prédécesseurs, nos ancêtres. Voilà, et le roi est mort, vive le roi, comme on le dit souvent. Voilà, hier, donc c'était vraiment ce grand temps-là. Il y a des images que nous allons également partager ici à la Cour Royale Princesse Bateke pour vous faire vivre ou nous faire vivre ce temps-là, le temps de l'enterrement et des funérailles donc de notre roi. Donc c'est un peuple, nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple riche de par les naissances, de par le nombre d'individus. Donc le peuple teke, reconnaître le peuple teke, c'est de partir justement sur cette zone qui est la zone du bassin du Congo. Donc, à l'arrivée de nos parents ou de nos ancêtres, si on doit dire ainsi, nous avons, voilà, nous sommes établis sur cette grande zone qui partait aujourd'hui avec l'avènement justement de la colonisation, avec l'avènement de ce nouveau monde
notre grand royaume qui était établi sur le bassin du Congo a été morcelé de la colonisation jusqu'au avant les, enfin, au moment des indépendances. Nous avons été morcelés comme ça sur des nations, des États et des républiques aujourd'hui. Pour cela, on retrouve le peuple Téké aussi bien au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, voilà, donc la RDC, République démocratique du Congo, ex-Zaïre. On retrouve en Angola, on retrouve en RCA, République centrafricaine, au sud-ouest Cameroun et au Tchad. Alors, c'est vous dire que voilà, sur cette grande zone-là, notre royaume était établi là, notre peuple était établi là. Mais avec l'avènement de la colonisation, voilà, notre peuple aujourd'hui se retrouve de part et d'autre, mais nous sommes toujours téqués au-delà des frontières. Aujourd'hui, les frontières, ce n'était pas la volonté de nos pères, des fondateurs de notre peuple, ou les bâtisseurs même de la civilisation du peuple téqué. Voilà, nous allons refermer, nous allons suivre. Donc, l'appartenance était par rapport au groupe. Donc, vous allez voir donc, cet individu qui va se présenter au nom de nous, bien qu'étant peut-être seul, mais je ne peux pas me présenter. Moi, Adeline, je dois me dire, nous venons. Voilà, je suis issu. Voilà, c'est toujours un petit peu dans cette notion-là que le peuple téqué a toujours évolué. Donc, c'était du temps de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, la citation également des clans va également rejoindre cette connaissance ou alors cette notion-là. On ne se présente pas étant individu, mais on se présente toujours appartenant soit à un groupe ou alors à un clan. Le peuple téqué ou l'individu téqué doit toujours, s'inclure dans un groupe ou un clan. Je ne suis pas moi, je ne suis pas individu, nous ne sommes pas individualistes, nous sommes toujours dans la pluralité, nous sommes dans le groupe, dans la connexion, voilà, le partage. Donc, c'était là l'introduction. Donc, les anciens, ils avaient ce mot-là qui disait « ebi »,« bi »,« biasi ». Donc, c'est dit « bri », hein, « bri asi ». On ne dit pas « mosi », c'est « brasi »,« brasi », tel que je présentais tout à l'heure, Brassi et Kine. Même si je suis moi l'individu unique, unitaire, lorsque je suis devant d'autres, je dis Brassi et Kou. Voilà. Donc, c'est toujours la présentation au grand nombre. Donc le Teke est fier de cela. C'était notre force et notre peuple qui était fondé comme ça. Et nous n'allons pas déroger à la règle aujourd'hui. Bien que la mondialisation est là, il faut conserver justement ces acquis-là. Et donc, la parenté, c'est le plus grand bien du peuple téqué. C'est la parenté, c'est la richesse même des fondements de notre peuple. Donc, la parenté appelée d'autre part le lignage exogame. Voilà. Donc, il y a le lignage restreint qui est le père, la mère, les grands-parents. Mais lorsque nous sommes dans la parenté, nous rentrons dans le lignage exogame. Donc, c'est celui qui va inclure l'ensemble au clan, l'ensemble à la descendance, l'ensemble à l'arbre généalogique. Voilà, donc il y a des ramifications de part et d'autre. C'est pour ça qu'on voit souvent, je suis parent à tel. On se propage, voilà, c'est vraiment ramifié. Certaines cultures ou d'autres civilisations ont besoin de se restreindre, de se dire, je suis de père-mère, mais ne prennent pas la considération ou ne retiennent plus la considération des oncles, des grands-parents, des neveux, des nièces. Mais nous, en pays téqué, c'était vraiment notre fierté, notre force. Le lignage exogame est notre belle richesse et notre bien-être. Donc, je vais le redire maintenant l'introduction en langue téqué. Donc, bala, une telle introduction, les brabe, au téqué, la linda en bois. Nda ram virendu le manjou la demantoungi. Oran kalarandu la we avo la ribari kan kabandi kambrami akomi yembwankma woli o tege o matu wala mi minkumina na no ndi ibri ibri wa bri u baba bi toujours kalara toujours ibri parce que ba kula o matu wora bampa we baba buda we barba buda we akma vula limbra donc avec a vire o ndula we oran vire ba sirungula we ba limbra we donc ibri. Et brille la fille, moi aussi, brassi,
Moi, je dis, moi aussi, non. Au télé, les gars, toujours ma Kim. Et Kim, là, brebe la sire, madame la nana. Quand on dit non, et brebe la parenté, on connaît. Au télé, les gars, ils m'ont connu. On connaît nana, nana. Et on connaît bana, et on connaît assis banana, et bafiko. Parce que brebe, les gars, les babas, toujours, mojou, manka. Il y a les gars, ils brebe la sire, madame la nana. Donc, et tu veux l'oubli, l'andi, du mouan, si ma kia. Au télé, si nous l'y, Kalangabu, si nous l'y, Congo, Brazzaville, si nous l'y, Kinshasa. Si on lit Angola, au terre, ma Kim la sirbo avait brebé la nimi, andar ma sirba dab la banane, andar ma sirba la kurakala. Kasima ki a brebé la yangne, au terre, Kim Bourwa, kama mbouende ma tungi, avinda la kama Kimi, avinda la bouga ma mbouga. Bari la yame. Barbaba yawe, abouga bokuwa, abouga ba Kimi, abouga banjowe. Nga waka mini waka wa matu wa mbuwa we. Waka ya, hee, onchano zimi, barabra ya we. Wa mwune mini ako. Ako mali manchampu, maha ya lila wongi. Ako maha ya baro wa maha lili. No, brabe ligi, ojuwa. Atala ndaka ya vima mburu motu, ndaka ya mi vabalburi. Gia ligi, kasi maha siri bada, kasi maha siri ankara, brabe ligi. Ndaka mburu, njo mtu elila, anjo mburi. Kasi kwa vima njo, njo balibura imanasa balibura mvarase. Nye vema njo mtu, ini balibura imana, ame bara nye, ame mwono vema otumobi. Donk me ma paseke, iwa ligi ke, buwa kayemo ligi buwa, esima basiribo. Nga ave brabe la kile esima bia. Lu brabe arantia la mondialisation ligi o, mburaka, o mindi mambuga me, warese kama mbuga we, brabe la gaya buwa ni no. Ankara brabe la libo kwa, akwa kalaba amono vengi, ave brabe la vuli vuta esima bia. Ave brebe la vli yowe esima biya kini noka ligi bo, bo ligi mpari maabuga. Etibe kwa mpari maabuga. Mamba, ambarima ligi wobo bo, nji oti, etibe kwa mpari maabuga. Mpari mabari. Wabaga mne, la buga la wembali, la ya woga lili, unyanga no. Baba ya woga lili, abuga ba mwenye. Baya kielowe. Ba womukula, abuga ba kari, baya tege wanja. Wame mwono nya, abuga baba mpuku, baya satawe. Baya vula sawe gini, wondaka ye, otumaka bila jala. Meme so me jala toujuro, haka toujure, bila bari. Mama, paske kim labo, la siri. Nga ave, andaka ma aya vuruwa brabe, meme si la minyono la mondialisation, ave la vuru yesima biya gini, bariba tege, avula mwono, njele ya siri bada, njele ya siri afakala. Donc, mbaranda gini tele introduction. Donc, mkoneye wa, Bariba wa mema sino ini la mpunkma wa tonti mpunkma wa vula munu kono nkma mama pas katara njowe kambira we kama yem ebirikma wa ton a brasi njoga nana a bariba ya ya mga wa a wu osi njome mama paseke kambira we kama ye kama ira ku bariba ya ya mga waba kayoncha ningini mtonti mpuku bariba njaye mekangonya no. Toujours à barbare parce que taga okia kaba yambran kamambran kamambran kama donc on kala le ginta l'introduction donc à kabi ma à question pour la première partie donc l'introduction avez-vous des questions sur ces quelques notions déjà préétablies avant d'amorcer donc avant de poursuivre dans la première partie la seconde et l'introduction avez-vous des questions à vous la parole manjurabe. S'il n'y a pas de questions, nous allons évoluer. À vous les questions, mes chers rois, mes chers princes, princesses et reines. Avez-vous des questions? Lao Mindjure, Lao Mindjura. Dernière question. Avez-vous des questions sur l'introduction? La richesse donc du peuple teke dans son espace, comment est-ce que ça se constituait? Non. Alors, nous allons dire la première partie. Donc la première partie, c'est l'espace. Auguste Onkala, bienvenue à toi mon prince. Bienvenue. Alors, il y a une personne, my God. Excusez-moi, Pélagie. Alors, il y a une personne qui prend la parole. C'est
c'est Pélagie. Alors Pélagie, à toi la parole. As-tu des choses à édifier à ton peuple, notre peuple? À vous la parole. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue la princesse. Bayouawe. À toi la parole, ma princesse. Maman, t'es où? Maman! Bonsoir, les sœurs. Bonsoir. Alors, votre question? Non, je n'avais pas de question. D'accord. Est-ce que vous avez, un récit à nous partager de notre histoire, notre héritage? Non, non, non. Non, non, non. Ok, d'accord. En tout cas, merci, merci. Okay. Merci à toi plutôt de nous partager l'histoire de chez nous. En tout cas, merci. C'est le devoir de mémoire. Merci, merci, merci. Ok. Donc, nous avons fini avec Pélagie. S'il y a d'autres personnes qui... ok. La parole, hein. Vous avez aussi, justement, cette possibilité. Prendre la parole, édifier le peuple, partager votre histoire, partager vos expériences pour que, voilà, ensemble, hein, nous sommes forts. C'est vraiment ce maillon qui doit se consolider, reconsolider, partager les expériences de chaque famille. Nous sommes une grande famille, voilà. Le peuple Teke est une grande famille. Comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est l'arbre généalogique. Peut-être à travers une histoire que vous allez partager ou relater ici, nous allons nous reconnaître ou partager vraiment aussi ces expériences-là. De dire, ah oui, je me souviens, ma grand-mère, mon grand-père me l'avait dit ou nous l'avait transmise. Voilà, c'est aussi ensemble, c'est un devoir de mémoire. Ce n'est pas que Cour Royale Française Bateke qui détient ces connaissances-là. C'est ensemble, nous allons faire ce travail-là, rendre hommage à nos pères fondateurs, à nos aïeux. Bienvenue à notre prince Fidelon Odunga, la Vela Oda Laiwe. Merci à toi. Merci, merci. Alors, poursuivons donc sur l'espace, comme je disais. Alors, les espaces donc, du peuple Teke, donc du temps de nos ancêtres, les espaces étaient donc identifiés, étaient répertoriés par des éléments précis. Alors, quels sont ces éléments précis-là? Alors, nous avons également essayé de voir avec les anciens, les patriarches, nous avons été sondés un petit peu comment est-ce que ces éléments étaient constitués. C'était quoi ces éléments précis pour pouvoir identifier et répertorier les espaces de l'individu Teke. Maintenant, nous allons voir. Donc, c'était soit le nom pour identifier un espace. Il y avait le nom. Alors, le nom était attribué de quelle façon? Le nom d'un espace était attribué soit par les primo-occupants. Donc, les premières personnes qui arrivaient sur le lieu d'habitation, qui occupaient les lieux, comme on va dire, voilà, ceux qui arrivent, si je vais conquérir un territoire, il n'y a pas d'autres personnes là, mais je deviens à ce moment-là la première personne qui occupe le lieu et on se dit, voilà, on se considère comme primo. Donc, les primo-occupants. Donc, puisque les primo-occupants étaient là, à ce moment-là, on allait bâtir ou alors on allait baptiser ce lieu du nom du plus ancien de la tribu. Donc, on choisit le plus ancien en âge, bien évidemment, ou en sagesse. On va dire, ben, comme nous sommes arrivés sur ce point précis, ce lieu va s'appeler Temps parce que c'est lui le plus ancien qui va faire la conservation ou alors transmettre les connaissances du peuple. Donc, c'était cet élément-là bien précis. Les noms des villages aller dans ce sens-là. Comment est-ce qu'un nom, un village portait le nom d'une personne?
Donc, nous venons de voir le premier élément, donc le nom. On pouvait également voir l'élément par rapport au, soit par un repère géographique. Donc, les repères géographiques pouvaient s'exercer sur quatre volets, sur cinq volets, autant pour moi. Donc, le premier volet, un cours d'eau. Le second, un type de végétation. On pouvait également voir par rapport à des collines ou alors la qualité des sols, soit les sols calcaires ou alors sablonneux. On pouvait également voir la qualité, enfin, l'environnement ou alors l'animal le plus répandu de l'environnement. Et c'est comme ça qu'ils allaient inscrire justement les repères géographiques. Et c'est comme ça qu'on voit souvent des noms des villages, ce soit des noms des végétaux, ce soit des noms des cours d'eau, ce soit des noms d'animaux, ce soit des noms en fonction des minerais qui sont répertoriés dans les sous-sols. Voilà, cette classification a été établie de cette manière-là. C'est sans ces repères-là, justement, qui ont permis justement de nommer, classifier, identifier, répertorier ces espaces-là. Je vais prendre pour exemple un nom, un village quelconque qui va dire exemple Anyamankala. Pourquoi est-ce qu'on va choisir un nom de village Anyamankala? Parce qu'à ce moment-là, peut-être dans l'environnement, il y a beaucoup d'espèces très dangereuses, si ce soit des lions ou des choses comme ça, ou voilà, des bêtes féroces. Et puisque c'est l'espèce qui est le plus répandue, ben, le nom du village sera celui-là. Ou alors un cours d'eau, si vraiment le cours d'eau est très dense, très important, ben, le village porte le nom du cours d'eau. Si c'est un type de végétation qui est atypique de la zone, ben, le village portera exemple Mpourengumu, parce que ben, voilà, les Ngumu sont, c'est l'essence majoritaire qui domine un petit peu l'environnement. Ou alors Essima, s'il y a vraiment beaucoup de termitières qui environnent l'espace, on va dire Mpourengumu. Pourquoi? Parce qu'on fait référence à la typologie géographique de ce lieu. Donc, ils allaient voilà, inscrire des noms en fonction de ces éléments bien précis. Voilà, c'était les repères géographiques ou alors le nom de l'ancien, le plus ancien qui occupait les primo-occupants. Donc, sur cette base, voilà, ils allaient faire ça. Les ancêtres ont défini aussi les noms, ils ont défini aussi les noms des clans. Alors, lorsqu'on voit exemple les clans, comme on vient de citer là, les Kankini, les clans Nkomon, les clans Otari, c'est toujours sur la base de ces notions-là que les clans prennent source, ou les noms des clans prennent source, les noms des clans ou alors les noms des groupes, les noms de groupes, on va dire, de famille. Un nom peut être issu justement répertorié grâce à ce mécanisme-là que nous venons de voir. Un nom, un clan, un groupe, exemple les Nkanini, les Teke. Dernièrement, nous avons dit au cours du live numéro 13, donc celui qui était inscrit le dimanche 7 février, nous avons évoqué la composition clanique. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce que les noms claniques ou alors les noms, enfin, les comment. Pourquoi les noms des clans ou comment est-ce qu'on choisit le nom d'un clan? Alors, les noms des clans sont basés sur les citations que nous venons de voir. Ce soit les primo-occupants, les repères géographiques, comme je venais de dire, que je venais de citer précédemment là. C'est comme ça que, voilà, ils procédaient aux repères. C'est comme ça qu'ils procédaient aussi aux nominations des clans, aux nominations de familles, aux nominations des groupes. Les Nkani, les Tintere, les Teke Alima. Pourquoi? Parce que Teke Alima, ce sont les Teke justement qui étaient au bord de ce fleuve, le fleuve Alima. Donc les Teke qui étaient là au bord du fleuve Alima sont devenus les Teke Alima. Les Teke Tintere aussi pareil, les Teke Nkani, les Wumu, les Njunjoni, les
plein de tékés. Il y a une classification, au moins, peut-être un repère de 22 groupes tékés. Hein? 22 groupes tékés. C'est vous dire vraiment, c'est en fonction des classifications. Donc, nous avons fait des sous-groupes, voilà, c'était la ramification du peuple téké. Pour occuper ces espaces-là, comme je vous ai dit, c'était un super grand bloc qui occupait cette région ou ce secteur du bassin du Congo. Et donc, il fallait vraiment aller occuper ces zones ou ces espaces vides pour les peupler. Et pour peupler, il fallait, voilà, nommer, il fallait choisir des noms. Et les noms n'étaient pas choisis de manière, comment vous dire ça, c'était pas au hasard. Il fallait vraiment un repère ou une histoire bien, bien précise, voilà. Donc, on vient de comprendre un petit peu comment est-ce que les repères et les choix des noms étaient effectués par rapport au clan. Alors, avez-vous des questions sur la première partie, enfin la première partie, le numéro 1 de l'introduction, enfin le numéro 1 de la partie de l'exposition, l'exposé? Bien à la question. Donc, je vais vous dire que vous bien. Et l'espace là, vous avez dit, vous avez dit, vous avez ou bien, vous avez dit, 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 Otari, Bandia, Bambuma, Balekuna. Et si même en Kumima, Ibunua Yimas, ma bari. Akarama Bunasi, ma pamo, Arim pamo ou Chotani, Ankara brebe, Afakala. Barakala. Ma sola en Kumima, ma malandi, pourri un kumi, inana, malandi, bariba kumi, ikara, atre baba, balima, bariba, kara, asi, baba, lelege. Asim pumi ou ba sigam pini an kumi me ba pina mo mudai mangni bari ba an kumi kara kampini an kumi ma bunai me kre bara mi sholon kumia li ko chocha li sholongi boli ma shole sima ber boli nga o yere boli ga li yere akabara to nchampo ba to nchambo li barak ni yangi ba sholingni mburu wa nkara kala wa vule abu ba mesibi ale ndi wu mais voilà brabe mais si bien comment pourriez et quand commander ou bien à la rendi non on boulot l'ingambari ou ailleurs à boire bari gourtouelli à la rendi brûler yenda et que c'est ben bougarali à katari la nous funu mande ya façon bar que c'est tari à quand gondo à nous funu mande c'est ya façon bar funu à quand anjari à anjara misa à yulu de ya façon c'est ma bien donc au yelo on boulot rendi à sage ankani à la rendi ah ou ailleurs c'est ma bien nga we ben pa nkumi mpu nkuma we donc ayer nkuma mburuse mabua esi mabalige shole bo nkumi façon alige shole nkuma bari ou bien nkumi mpu ou nkumi ma akara bari ntara le ndenji lo clan asinjo banana donc ba shole bi alige esi manga be buna ye bebe eshami ouwa donc la moni mabale ba chama mbuka nchomi kangula nga la moni ba mono seke aka ba shara Akasha cha sharwa ngengumu engume vula buga enguma engumu cha chambwa ya vula buga ba beti aladi ah sharola miyai blabla miyai chompui ngengume ma vula etike ma va e vula ndege don kumpui ngumu yeka ongumu parce que ongumu vula buga abuga beti ampi ngumu ndi mpu ongumu ou bien aso ongumu façon ba chole ankou makara me ligi me sima bia abra chole mabu ba chole sema mbure yanja akekeri okeri woni ni okini woni ndi ah okeri unga ndasa babu mbaba ndasa ya funwa baba tari la funwa nde wai angonda akalara nde se okere donc la la nde nkubi nga baba alma donc ba rese a chole ndi ah okeri unkuma alma donc ba baba kama mpuri nkumi atere ba alma ou asi alma façon à l'égout cholo en kouma carabari bla en kouma mpou ngula et anja ba vla cholo se façon à l'écouli à quand écouli mambouaya alain dit non mbouela li écoulé ma vla donc mpoui écoulé écouli achelé à quand kouma mpou en pin kouma mpou écoulé écouli ou bien à kabariba sa en kouma ya en kona balain dit ah mbouela li baliban koumi Asi kuri, mfakaba chole nji asi nuri, asi okama, asi njia, ifasona ba shole, ankume abari, se ligi ma shole mabuwa se.
Abla shol ma wa façon le ba shol se ma façon aller marasi marali. Excusez-moi. Ba shol se ma façon aller e intie. Akantie li gonje. Akantie li ndi ngai ngai be ba ba ba. Ba pori akapori la li andi ampuri ngapori mvali ba mondi rankume akoro poro. Poro poro mne ba le ndi ba poro pori. Babadje amolo nche yakui yakuri onje yi esma bia djora ashol nkumi anje a mbui mbugalali nkumi onje yi mbugalali nkumi ipori poroporo ipori façon li shol se ankumi mabari mampo angulanga la buni ngine akamba anyama nkala kande ma anyama nkala le mambuye a alenji mbui ngango ango amevula a mbuye ngango ampise nkumi ngo obie akakaka ba sa kan kumi akala bale e karali asingo bale bale ngongo bale nje mbi nkumi ya be ame pa nkumi karala be asingo me sima bia donc li ma bua nche la première partie la moni donc o drabel wu e sima bale sa gni l'héritage ma mono faso ya nkuma bale nkuma akara bla nkuma mpo asholinga ligima e sima bala me bala mitasabi drabel mitasanga e sima ngai mitonga baba e shani u nchani kala kala kugunga. Donc li kasima ndare majuila la la fala mindalo se majuila la tege. Donc la première partie akabe nga question minjura be ou sinon prabla ye numéro 2 la deuxième partie. Voilà, je viens d'inscrire donc la première partie en langue teke. Avez-vous des questions sans quoi nous allons voilà avancer progresser dans la deuxième partie du live. Minjura be. À vous la parole, à vous la parole. C'est un partage, hein? C'est vraiment ensemble. Je vous encourage encore, prenez la parole, voilà. À vous la parole, à vous la parole. Manjurabe. À vous la parole, Wadira Owona. À vous la parole, Akapi. On arrête là, nous allons passer à la seconde partie. Non, pas de questions. Je vous écoute hein, pour quelques questions. Bien la question. Une petite pause musicale. Alors, la pause musicale s'effectue avec le groupe... Amaya Authentique. Je n'ai aucun droit sur ces musiques, c'est toujours pour la promotion de notre culture. La belle, la belle, la belle, la belle, la kaba, la kaba. Akabé la question, belle, la kaba, la question, n'yara. La, la, vous la tanga, je. La tanga, je, la yé, la la. À vous la parole, Kali. Alors, nous allons passer à la deuxième partie du live. Donc, le numéro 2, le bi, ibri ou alors bi, ibi, inde, les prénoms personnels, le je, moi, tu, nous. Donc, en langue teke, c'est bri, c'est nous. Ou alors bi, ibi, et biasi, nous sommes deux. Ou alors, brassi, nous sommes deux. Toujours la référence à ces repères-là que nous venons de citer précédemment, les repères que nous avons énumérés. Donc, la présentation s'est effectuée sur cette notion-là. Nous sommes deux, nous sommes issus d'eux, nous venons d'eux. C'est toujours au nom du groupe. Ebri, brassi, tere. Brassi, alima. Brassi, ishara. Brassi, tere. Brassi, toujours assis, le repère doit être vraiment, c'est cette première notion, c'est le lieu, soit géographique ou alors le nom qui est rattaché à l'arbre généalogique, donc les clans claniques, ou alors au groupe familial, le lignage donc exogame. C'est cette référence qui est importante en pays teke. Alors, donc, Brassi,
c'est la présentation de l'individu teke, toujours cette référence qui fédère l'homme teke. Je ne suis pas seul, nous sommes ce groupe uni, nous sommes ce groupe qui nous portons secours mutuellement. Je ne peux pas m'exclure du reste du groupe, je dois parler en leur nom. Parce que notre éducation, c'est une éducation communautaire. Lorsqu'il y a une réussite pour un enfant teke ou un individu teke, c'est tout le peuple teke qui est justement honoré, acclamé. Lorsqu'il y a des torts, c'est le peuple teke qui est également aussi un petit peu sali et montré du doigt. D'où, comment vous dire, c'est vraiment ensemble, nous fédérons ensemble. Nous nous réjouissons ensemble, nous sommes endeuillés, nous sommes tristes. Ensemble, c'est vraiment le groupe. Voilà. Ensemble, bri. Bri, bri la limania, bri la limarase, bri la limoyeli, bri la li toujours. Et bri, nous. C'est vraiment comme ça que nos ancêtres, nos aïeux ont pu évoluer. Donc, peuple teke, essayons de retrouver cette notion-là. C'est nous ensemble, nous toujours ensemble. Essayer de primer justement, de revoir cette notion-là. N'allons pas verser comme les civilisations actuelles où l'individu vraiment se reconnaît qu'en son nom, ne vit que pour lui, n'a plus le regard pour son voisin, n'a pas de compassion pour le voisinage. Non, c'est ensemble, c'est la société, c'était le village, les voisins les voisins d'ailleurs devenaient même les membres de la famille parce qu'une fois une personne vient participer à un deuil ou un événement heureux ou malheureux, ben cette personne quelque part, elle rentre dans notre cœur, nous la portons dans notre cœur, donc c'est cette famille qui s'élargit, c'est l'exogame, voilà la famille exogame, ceux qui sont de l'extérieur mais qui deviennent quand même les nôtres. C'était la force du peuple teke et que cette force soit toujours de nos jours, il faut la remettre au centre de notre évolution et partager et inciter nos enfants voilà, d'aller aller voir, emboîter ce pas-là. Donc, Ibri, ma brebe est toujours. Donc, l'individu se présente toujours au nom du groupe. Il appartient à un groupe. Il n'appartient pas qu'à son père, à sa mère. Il n'appartient pas qu'à sa famille. Il appartient à toute la société. Il appartient à tout un village. Il appartient à son voisinage également. Voilà, c'était vraiment ça. C'est toujours ça. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Essayons de le remettre toujours, de le mettre au centre. Le clan, le groupe. Les différents groupes, comme je disais, c'était vraiment issu de ça, même si un teke se retrouve à 1000 lieues, il se reconnecte à sa famille, à son clan, à son arbre généalogique. Donc, essayez de transmettre cela aux enfants pour que le peuple teke soit toujours en continuité, dans la prolongation. Donc, Brassina, ceux qui sont de l'autre rive, enfin de l'autre côté de la rive, voilà, c'est encore un autre groupe. Parfois, on peut retrouver sur une lisière de forêt deux groupes de clans ou alors deux groupes scindés, on va dire, ben, c'est ceux de l'autre rive et également de l'autre rive, mais ils se reconnaissent toujours en pays teke parce que justement, la rivière qui sépare fait notion de partage. Ils vont se retrouver, c'est ceux qui sont allés de l'autre côté peut-être par le lien du mariage ou le lien d'héritage comme dans la symbolique de notre mariage coutumier qui est au Bali. La suite, lorsque une femme est appelée au mariage vers ses grands-parents, elle peut quitter son village de naissance pour intégrer un nouveau village, ce nouveau village qui devient justement son nouveau village, mais n'empêche qu'elle est toujours de ces deux villages, le village de la rive gauche ou le village de la rive droite, elle appartient désormais à ces deux-là. Et les enfants qu'elle mettra au monde vont se reconnecter à ces deux villages, elle ne sera pas isolée de l'un et l'autre.
Donc, c'est la richesse qui était multipliée, la richesse qui était prolongée au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, c'est notre richesse. C'était comme ça que l'espace du Téké était densifié. C'était comme ça que le Téké se prolongeait, voilà. Le peuple Téké, voilà, il arrive d'un village, il fait des enfants là à un endroit, ses enfants sont appelés à aller en mariage, et au fur et à mesure, c'est comme ça que le territoire sur l'ensemble du bassin du Congo a été peuplé. C'est comme ça que nous avons peuplé. Donc, lorsqu'on voit les Téké qui sont allés du côté du Gabon, comment sont arrivés ces Téké qui se sont retrouvés du côté du Gabon? Ben, c'est par ces démarches-là, c'est à travers ces éléments, c'est d'un village, un mariage, un lévira, quelque chose qui fait que ben on construit et on occupe les terres non occupées pour être vraiment les primo occupants pour bâtir et agrandir ce grand peuple qui est le nôtre, notre héritage, voilà, le peuple Téké. Donc pour cette partie, avez-vous des questions également, sans quoi nous allons passer à la conclusion. Akabe ma question manjugabe. Comment est-ce que voilà, ces villages se sont retrouvés là parfois? C'était des chefferies aussi pour notre royaume, le royaume Téké, qui est basé en Mbé aujourd'hui et toujours. Il fallait vraiment circonscrire et protéger ce grand royaume. Parce que de l'est à l'ouest, nord au sud, il fallait avoir des points stratégiques pour veiller au bien-être de notre royaume. S'il n'y avait pas des veilleurs, on va dire des éclaireurs, pour aller surveiller ou veiller sur les rives des entrées maritimes. Il fallait dépêcher justement un bloc ou un groupe qui devait veiller sur ce point stratégique, on va dire. Voilà, le roi délègue, exemple, un nombre donné, femme, homme, aller occuper ce terrain qui est vide. Et lorsqu'ils arrivaient là, ben, les naissances, et ben, ce petit point qui était un pôle peut-être de garde devenait un village, et puisqu'il devenait un village avec la bénédiction peut-être du roi, ben dire ben voilà, vous êtes détaché là, si vous avez des naissances aujourd'hui, votre point de garde devient un lieu d'habitation, ben alors faites et continuez à veiller sur le royaume. C'est comme ça aujourd'hui que les Téké du Gabon, nous devons avoir ce regard là sur notre royaume, le royaume Téké qui se retrouve en Mbé aujourd'hui, de par les républiques et les frontières, mais c'est notre héritage. Tout Téké, c'est notre héritage vraiment. Pour tout Téké, nous devons nous reconnecter également à cet emblème-là. N'allez pas croire ou n'allez pas laisser justement cette charge qu'au seul Téké du Congo Brazzaville. C'est aussi notre responsabilité, parce que les pères fondateurs du peuple Téké, en bâtissant ou en établissant ce beau peuple, ils n'ont jamais pensé qu'un jour, ce bel héritage serait morcelé à travers les républiques et les frontières. Donc, considérons également que ce royaume, il est le nôtre, qu'on soit au Congo, Kinshasa, qu'on soit au Congo, RDC, Zaïre, qu'on soit en Centrafrique. Il faut se reconnecter vraiment à cet héritage. C'est notre bien commun. La cour de Mbé est le bien de tout enfant Téké à travers les quatre coins du monde, aussi bien en diaspora. Et comme je disais la semaine dernière, que ben, l'association Kasba Téké, ici peut-être en Occident, à Lyon, prend part justement à la préservation et le relais du devoir de mémoire. Donc, je vous invite encore ici humblement à adhérer à cette association. Nous allons présenter justement le 11 septembre à la ville de Lyon. Donc, nous sommes invités par la ville de Lyon, Lyon 3e, Kasba Téké, Koral Princesse Bateke. Nous allons justement présenter notre histoire. Nous allons présenter le peuple Téké. Donc, je vous invite massivement à intégrer, adhérer à cette association pour préserver et poursuivre le devoir de mémoire de notre peuple. Voilà. Badi, Esma Baba Teresa, même si Brabem va aller la semaine dernière, association ma Brabe Kas Bateke, Kouroua Patis Bateke, Bama actuel le 11 septembre, Malavie, La Lyon,
même si l'association malika kuni meka simara ka brabe ka sirba dabla nana aka brabe la yam pour makama avec brabe la mbire sima bala fibla jom pour ngi bri kala kala fi am pour abri bri ngi sima bri ngandaka andaka mayirgi bri akura kala sir bri intintame ambali e bobo donc akabele dio ko abri ayu ko abela yugi donc beba bana ba tege bala li akabela li mambwa ba ma kunima bela nyunwa la nyunwa association brabe la sangene du la tege landaka juma akabela li sininga lo gabon sigam nimbwa brabe lu nga internet balanje dibesia a numero wa brabe wa ku wa ku wa parce que bateke bla case bateke ngondi wo sia numero de telephone a male nga ba di association ba nyunwa bela choli ba tuma be bulletin d'adhesion nga brabe le 11 septembre la envira simara tege et brabe nga a réunion ak ma brabe nga isme ba les invitations la commencer ben au fur et à mesure les indiqués ben en bougama ba chelo brabe en avril brabe c'est ngai au cours comme ma voilà chelo mais ce sera à l'occasion d'un autre live que je vais donner justement encore plus de précisions sur le rendez-vous du 22 avril 2022 mais là pour l'heure c'est le 11 septembre 2021 de 10h à 17h place Guichard dans Lyon 3e, voilà, Courroyal Princesse Bateke, Case Bateke, donc notre association, Ndjateré, la maison de tout enfant Teke, c'est le lieu où nous nous retrouvons, c'est le lieu où nous partageons, c'est le lieu où nous allons vraiment consolider notre histoire, notre héritage, notre coutume, de telle sorte vraiment à faire pérenniser ce bel héritage-là. Partager avec d'autres également, c'est permettre que... on puisse aussi comprendre qui est Teke, qui est l'homme Teke grand H, hein, homme, femme, enfant Teke, qui sommes-nous. Et nous ne sommes pas dans un repli identitaire, nous sommes là pour le partage, permettre que d'autres aussi puissent nous découvrir, comprendre comment est-ce que nous évoluons dans la société, qui sommes-nous, ne nous renfermons pas, ouvrons-nous pour que voilà, d'autres viennent découvrir notre beau peuple, d'autres viennent découvrir aussi notre belle civilisation, pour que ils aient l'occasion de respecter à la juste valeur le peuple Teke. Voilà, ce n'est pas une revendication, nous ne sommes pas en train de faire le monde chercher à être respecté, mais se faire valoir, c'est permettre d'abord que l'autre prenne considération de qui nous sommes pour mieux nous respecter, bien nous comprendre. On ne peut pas demander un respect si une personne ne comprend pas quels sont nos comportements ou nos manières de fonctionnement. Il faut permettre justement de te faire connaître pour qu'on puisse t'apprécier à ta juste valeur. Donc, c'est en permettant justement à travers ce partage-là ou ces partages, ces temps de rencontre, ces temps d'échange avec d'autres civilisations, dire que la civilisation Teke fait partie également de la mondialisation. L'UNESCO nous reconnaît. L'UNESCO reconnaît le peuple Teke. Nous sommes enregistrés dans ces instances-là. L'UNESCO qui est pour la préservation voilà, des peuples, des civilisations, de tout ce qui est vraiment à l'origine même du fondement du monde. Donc, n'allons pas rester comme ça, ne faiblissons pas, il faut vraiment rehausser cette histoire-là pour que voilà, nous puissions avancer et aussi remplir notre rôle dans le concert des civilisations. Voilà, la civilisation Teke, elle est là, nous avons encore des choses à partager, nous avons des choses à apporter à ce grand monde, à cette mondialisation-là. C'est l'ensemble, c'est le village planétaire. Donc, il faut vraiment de nous, de notre voix, la voix de chaque enfant Teke compte, votre voix compte, notre voix compte. Donc, humblement, et je vous invite voilà, à militer et à adhérer à la Casba Teke, la maison de tout enfant Teke, notre association. Voilà, pour porter haut la voix et l'héritage de nos ancêtres, pour qu'ils soient toujours fiers que voilà, le peuple Teke est dans la continuité. Merci à vous. Donc voilà, sur ces mots, nous avons inscrit l'introduction, la première phase, la deuxième phase, et nous allons amorcer donc à la conclusion avec quelques rappels encore. Avez-vous des questions? Vanda Malafala. Donc, Mandi Malatere Menongni. Kalayinga, Brabo Kouwa. Donc, Mancholo, Abouabatre, si on lira Fala, si on lira les États-Unis, si on lira l'Allemagne, si on lira Mpourakma, si on lira l'Angabou, si on lira Congo Brazza, si on lira Kakinchasa, Brabenga association, on dit, Ikas Bateke, Njatere, Njoli Brabe Bolekoua. Nga Brabe, Ama Cholondari,
marasangni a kemabayawe avo mvie de façon wa djewe avo mvef o mvie de façon wa djewe avo mvie de façon wa sisma ke barbabro aya amuno osina basawe amuno amamali weke bayanti a mburugu u bariba boga djebu grebela sabu ye rabunu mabila rabfuka bongi nga rabfuka boki a landa abo asangni efwebo be rabunu donc avec bo se maraya esima bia ile bwa abara ou ayuluga esime brabe avec brabe la mvie ni brabe bulali parce que brabe la brabe bo bo ba abuna ya ewe brabe ni donc ayuga wa vo mvie de ko ni barese ayugo koli bo ba bare ba nyimwe donc brabe ka l'association kas bateke kas mabwa kaka kabwa nga brabe kuni aba m'a invité brabe mais le 11 septembre ka la ville la Lyon kas bateke ku royal français bateke ma mvire andaba brabe andaba moko wa brabe donc c'est pour ça que balali akasiral kafala baladunu association ni brabe la slave la la bawama brabe la soju ni la mvire sime brabe ni brabe se ka tege nga andaba ma mvire brabe la tege se nga andaga li akmasi ba ya andaba ma li brabe se okora brabe bosaya brabe lesa esime li akmak na yuwa jongi bose makama sini brabe lesa enji besia brabe sin esime baka yirga abuga mbura tege ave brabe brabe petete baribu opuru brabe bariba nchimi nchimi ya brabe nga ko ujuba ngi nchimi ya mburu ko ujuba ngi ujubo mburu wa abrasa esima brabe lesa esima brabe nganjele dok njele ya ave brabe la mvira abuga ngini bringa njele njele ya brea siri bada njele ya brea siri akura kala njele ya brea siri ankara kala fwa kala njele yi bubububu bolsa ya nji a bariba tege badonk baba brabe wonga ubo nga andara nga okoro ubo selma intimi ya bo yesa ngini bo njela obo ilebe lebo unyo donk ave brabe sila yi wobo paske le brabe la brabe wobo akamaba wobo mandri la brabe basi esima mkuma brabe nye esima baba ya wobo ba ake brabe broma brabe la njo bariba ya wobo mankumi ya bri ibri kibuwa la lingi lampa beri ma akama baba ya wobo mankumi ya brabe no ave brabe manku la yobo andama brabe ngini bribu briba nana esime bribu e omwe andama aye ni njila tata anami tata ngamburo kamara ya wobo mvarasi akolo mvasi les explorateurs bwa ibawo bankuma brabe andara male tanga mama male lira meme me chuke iboba tendi na ave brabe se la tenda andara na brabe lea esima ba boka obo andara ma boka kila donc brabe la kila brabe la abo mni kali ka yibe bila muna ankara bila muna afa kala boli ba ga yuga esima façon ali gibengi nga bril wi la me yuga esima ba be la yuba bri ibu boligi bu basigi la be nga be la bri yuga nga parce que beligi du gi mvuga nga bri lu le wo be du la be la yuga ndaka ya ligi ya sigi la boligi ibu 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 moire ba brebe manda ma la yuga la brebe la teke c'est pour ça brebe chaka z ba teke et si ba bien ma vola ye se dieu ta ta mandile ngini ba la bala le kolaba bo ndaka seulement l'histoire ka yuga mais manda makli darak mabayi o mwebo bayuga andama monyo abrebe bankuli ankara ligi ibubalagi ibubalagi boligi bubasigi la nga ondelega ya ndekile nda andama ma faso wa klinde malayuga lande donc la yuga la brabe ave brabe la yimje la yuga la ngini ibribu ibribu kalebra sanga kimo nyamangi kimo jubangi brinda ka ilebra sa parce que yo ibunga ma andama ma siri akura kala andama ma abunga ma okoro abri atengi voilà ma esima bia brabe le yere jo bienvenue bienvenue ma be babel bebalé balakin le ya durant on ti lambira bienvenue mon roi bienvenue à mon roi Serge Koso wai bienvenue bienvenue la vela de la courabe toujours donc brabe kunira et la deuxième partie brabe anga la conclusion le yé donc indari ya brabe bela ya nyunu association brabe la kamokuga ta association maleye e intina ngore ka bangi ave brabe la nyuninge e sima ke no tre brabe tre bulali andara ma brabe le yere andara ma brabe le ba tenda andara brabe o chocha ligi 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 brabe la yere motata ni ban baba baba lire nkanda nkanda ba lu ba bo lu ka ka yuga andara ma mama bo mo nkanda ngo nkanda wa bo liga ma kela ndo chocha ave brabe la vula yiduga nkanda bia malanje a nkanda wa kilibo ligi kibunge bana la mone nkanda ibu la yuru andama brili ibu basigi labo kebana omwe bandaka ye
Et pour moi, bayou ganda ma tata, mais mieux brabe, mais clé brabe. C'est pour ça, brabe le yen chakaze, bateke. Ma yere si ma bia. Ka association, ma radiangi, ka association, ma balingi, ka association, mo, sa mangolini, non. Association, li brabe la nyon ma tata. La ye ba l'UNESCO, la sandra ma tata, ye omo tata ke. A génération balandi, i ba baba vole kula, baba kula. Kambura brabe, o mo ba nyana, en kandabia balandi, ah. Baba brabe ligle ma vula tende andara brabe parce que on de la baligi ma tende bou nga angu wa bri nga tara bri ato ma ya ma vula klen kandabia ma ma ya da andara ma tata ma ire nkore nkoro e sima bi ye nkore nkoro ma façon a yi en de la kila ba tende ma andara bo angu wa bri nga tara bri ama vula yere nkoro bia andila mi donc ka l'UNESCO avait brabe la nino la la bo ngingo. Au 15e siècle, quand tu dis banan na ba, ndara ya brili ki kibwangi, yo bu ibu ibu, ba funu adio e, ba na bale sira mbalise, ba landi e, ba woma ntakma, ba woma ntia akarakma, bo ba woma sinta juakma, te la mondialisation ni oui, barato ma ye avla yere en korobe ye no chocha dia, e ye tele tele tele. Voilà pourquoi ntia association, grabe la ligne, akaba ba pétition. Malandi non ndara etre etende bo ave brebele ya mojuke la saba petition landi non ndara yi ki bumi. Il faut avoir justement un nombre considérable pour que ça prenne justement de que ça prenne de l'ampleur. Si nous souhaitons rectifier un peu l'histoire qui a été traduite de manière biaisée, il faut un grand nombre parce que si nous devons porter la voix auprès de l'UNESCO de dire telle situation avait été mal transmise, nous souhaitons la remettre dans le droit chemin avec la sensibilité qui est la nôtre, héritier, héritière du peuple téké. Ça n'est pas notre histoire. Oui, c'est vrai, peut-être qu'au 15e siècle, certains ont souhaité traduire ou écrire notre histoire, mais n'ont pas la sensibilité qui est la nôtre. Voici exactement l'histoire, voici exactement le récit, avec la profondeur, avec la sensibilité, la fibre qu'est la nôtre enfant. Et que nous serons légitimes de retravailler ou de remettre ces articles-là à l'ordre du jour. Mais cela ne se fera ou n'aura un sens ou un poids qu'à travers des associations. Donc, Kasbateke, justement, ira dans ce sens-là, porter la voix pour qu'ensemble, nous puissions fédérer de dire « Oui, voilà le grand nombre dit ceci, ce qui a été écrit au 15e siècle n'est peut-être pas assez juste, mais avec la justesse même, c'est ça. » Mais il faut vraiment avoir un nombre considérable. Donc, intégrer l'association va dans ce sens-là, ira dans ce sens. Ce n'est pas de boire, manger, parler, festoyer dans un sens. Non, nous aurons peut-être des temps d'échange festif, mais lorsque nous aurons rapporté quelque part ces situations remises à l'ordre du jour, lorsque nous allons dire, ben voilà, nous avons retraduit l'histoire téké à travers l'article temps enregistré et modifié, oui, nous ferons, voilà, ces moments de joie, mais ce n'est pas l'association pour nous retrouver, boire, manger, non. C'est vraiment l'association pour le travail. Ce sera un cercle de travail, un cercle de réflexion et retraduire notre histoire pour que les générations à venir, en l'an 2500, ils soient fiers de nous, parents actuels aujourd'hui. Nous sommes en responsabilité, nous avons 40 ans, nous avons 50 ans, nous avons 60 ans. Allons vraiment faire ce travail-là. Ces enfants ont besoin de nous. Parce que si nous partons là maintenant, eux, les pauvres, ils ne pourront rien dire parce qu'ils n'ont pas la fibre, ils n'ont pas toutes les connaissances parce que au contact aujourd'hui de la mondialisation, ils sont dépareillés, ils sont happés, attirés. Donc, saisissons-nous de ces temps-là. Saisissons-nous aujourd'hui de nos connaissances, saisissons-nous aujourd'hui de nos cultures, on va dire, ou alors de cette opportunité qui est la nôtre. Nous avons été à l'école aujourd'hui de travailler, de retranscrire cette histoire. Au moins, ils seront fiers de nous et nos ancêtres également seront fiers de dire « Enfin, notre histoire retrouve ses lettres de noblesse. Enfin, notre histoire retrouve sa justesse. » Donc, c'est vraiment ce devoir-là, le devoir de mémoire, comme j'aime le dire. Voilà, c'est vraiment sur ces propos-là que j'incite, que je vous demande humblement, mais vraiment humblement, intégrer l'association ira dans ce sens-là. C'est ensemble, nous allons reconsolider ces maillons-là. Ensemble, nous allons faire un grand nombre pour vraiment porter haut
et fort l'emblème, notre histoire et tous ces éléments-là. Le royaume Teke a besoin de nous. Il faut vraiment que la lumière, les projecteurs reviennent encore sur ce royaume qui a traversé le temps, qui a pu affronter voilà, la mondialisation, la modernité et tout ça. Le peuple Teke, le royaume Teke est toujours d'actualité. Contrairement à d'autres royaumes qui se sont éteints, le nôtre est toujours là, est toujours existant. Nous ne le laissons pas dépérir, nous ne le laissons pas s'effacer. Il a besoin de nous, il a besoin de chaque enfant Teke. Peu importe le lieu géographique où nous nous retrouvons, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Ensemble, voilà, allons transmettre, retransmettre cette histoire. C'est le devoir de mémoire, comme j'aime bien le dire. Voilà, c'est notre devoir de mémoire, la passation de relais, de flambeaux. Ainsi, voilà, sur ces rappels, notre live voilà, prend fin. Et avez-vous des questions? Akabena question. Donc, Koukoual, Princesse Bateke, Kaz Bateke, Association Marassa, Esma. Esma Barassa, c'est ma mounyangé. Même si Brabele vous n'avez pas mis à l'internet, à direct ou bien les émissions, n'angoula les émissions, avec Brabele à Tchouissé, qu'au Vruba Aboua, avec Brabele à Enou, au Vruba Aboua, Marlandi, Bribou, qui seulement maintient en Brama, ma téléphone ou bien ma tende, non, avec Brabele à Enou, en Brama, la Bouangini, à Boua, bah, ouais, Samike, bah, me vounoua, vaisseau très, y ventine à Bla Bouangini, Bribou Lali. Donc, Tchakaz Batekena, association ma. Kasima ki a brebele yesa. Ki se mangini okura ke baraya, la nyo ambali, la jala obo, la kancha, non, ave brebele asimo. Kasima ki ba nambara asira, brebele le ye la ansira mbra. Ansira mbra la andi a, angura brebele lunga a 40 ans, brebele lunga a 50 ans, brebele lunga a 60 ans. Donc indara ya brebele mbariga asira bo, ba andara asira mania, ala andi a, kaini bo, ba yere bringi ba sa bresma gi brim bari bunle sa etere kim la ma atere bunu baligi ka boligi bunu baligi ja boligi bunu baligi yera bua boligi bunu baligi ye andaka ma bala boligi bunu baligi isai esma ba yelantie esma ba yelantie otere bunu ka sa jo donc ave brebe la yera andaka ma tata lu brebe la ma yela kolo ya le kla andama la fala Brebe loulet klandarama anglais, let klandarama mam alma. Donc, mon koro ali brebe, banatere ma ansiema mbore tout. Ave brebe la vuning mandara, kasma amoto ou bien mambra. Montou en di njo bari bore, njo atere. La kaz, imbra ali brebe li, njo ya brebe. Kaz bateke njo ya brebe li brebe le ya. Le oba andara mambore ke, momaye, momapaya, banandara siramania. Brebe la brebe sanga, mbaribwa asaka, Ambre Mali, Ama Klanda Matere Bafuna, An Enkandaboa Mune, Andar Matereni, Bampa Brabe Beliba Siramania, Brabe la Flajuma, donc l'Andar Boasa, Kaminwa Bel Association, Kazbateke, Marasandaraya, Marasesma Brabekni, Kale Ye, Kavula Munoi, Kale Vula Munoi, l'UNESCO. Parce que Brabe la Bito l'UNESCO avait maintenant, Kala Metoqua, Kintina Lea Kangi, avait Brabe la Igni. Briboula lou, ndara le obo ma kim la tege, ndara yi, brile sarayogne, we vula vula, mo tenakala. Fason asiri, ankara brio ligi buba siri brio, donc be, tchenkande be, la founa yo, fa bae, ndele, bakala babe, e yampua bri, e moun ankara bri, ba mouni nga ba yu wangi. Ba moni nga ba yo ay yo cha cha boni e to bo mo la bagelo to mangi nga la bagelo to mala bri la bana ba tege la bagela siran karabri la bagi ilo bubal la ndayi bubal ba oboyo donc bela funa ndayi ave brabelera mambureli makimi kimilia e kaz bateke donc mbureli brabele marasa andarama avuro mandila voilà li nta la conclusion la ndayi ni brabe ligue mala fala nga mi mvuna yo mi mvusa ise mala tege donc raya be bela nyunu okora wa okora ba nyu mbalingi okora ma menjingi okora majanja ijanja la la bari ba tege ju la tege so liga langabu o liga le Congo Brazza o liga Zaire o liga kunika fala ambwa mambo de sigo liga tesini si o liga ka ambwa ba Allemagne brebe bwe la kwa donc bela ya
Brabe association numéro y a elle ganga abo bela nyuwa cha e kaze bateke numéro elle ncha kwa akabela di ka nyuwa bela chole bampi be batume be la fiche d'adhésion parce que brabe nga le 11 septembre a ma chole brabe ka la ville la Lyon ma enverre esme brabe donc i janja ki seulement sa me ole yangni brabe la milasa ngumi abale obunga amene swara non kangula nga avenga i janja La tata est légale, c'est légale, à bras, à m'vunwako, bari baba 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 baba, l'Afrique de l'Ouest, à l'Ikubawo, avec brebe se terre la ina obo. Bara l'Iku, o kuwa, ma, ma, mon nom bir ma, bougan di, bir la ba, dir la ba, ka duma dir la ba. Donc, dir la ba, c'est le respect. Le respect, c'est visu, le visu. Donc, droit dans les yeux, on se regarde, droit dans les yeux, on se parle. Voilà, c'est le débat d'idées, hein, la concertation ensemble. On va faire justement ce rapport d'échange et faire évoluer nos civilisations ensemble et de concert. Donc, intégrer l'association, c'est vraiment aussi recourir à ce devoir de mémoire sur le terrain et de manière palpable. Ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'à travers les lives et les émissions, mais il faut vraiment aller aussi affronter, battre le pavé, comme on dit, sur le terrain même, occuper le terrain, occuper la scène pour dire l'homme teke ou la femme teke, grand H, l'homme teke, voilà, vos sont pesants dans le concert des nations, dans le concert des civilisations. Nous sommes là, nous sommes ceci, et le transmettre et le traduire aussi, voilà, de visu, face à face, comme on dit, face to face. Il faut vraiment que nous soyons là aussi, voilà, pour redynamiser, réécrire notre histoire. Et lorsque voilà, l'UNESCO nous reconnaît, ce n'est pas seulement, voilà, se dire, nous sommes enregistrés maintenant, il faut aussi maintenant, voilà, procéder au travail véritable. Donc, l'association Kas Bateke, c'est vraiment un cercle de réflexion et de travail surtout. C'est un cercle de travail. Donc, vos idées, ensemble, voilà, nous allons les construire, les consolider pour faire valoir justement notre héritage culturel, notre héritage, notre histoire, voilà, tous nos biens, voilà, enregistrer ces éléments-là pour qu'ils soient cristallisés. Il faut cristalliser toutes ces notions-là. Véhiculer, comme on a dit, comme ça, de manière orale, on a toujours dit, voilà, la civilisation, c'était toujours de manière orale parce que lorsque un ancien mourait, c'était, voilà, notre histoire qui s'éteignait, mais pour remédier à cela, c'est cristalliser toutes ces notions-là à travers ces échanges, ce travail de terrain, ce travail de fond, cristallisé sur les papiers, sur les mémoires, pour que les générations à venir puissent aussi se saisir à travers les livres, à travers des ouvrages, de dire notre histoire est vraiment là, elle est existante, elle a été cristallisée par nos parents. Nous, aujourd'hui, de la génération de la quarantaine, ceux de la 50 ans, de 60 ans, il faut vraiment cristalliser, il faut prendre ce rôle-là. C'est pour ça, justement, inscrivons justement ce travail à travers notre association Kas Bateke. Ce n'est pas que boire, manger et parler vainement. C'est vraiment aller sur le terrain, se confronter à d'autres civilisations pour aussi s'insérer dans le concert des cultures. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de, voilà, prendre toujours part et être au rendez-vous de notre repas culturel. La vela bela kurabe, mampe, la vela bela yabe, la vela bela yabe, mune djanjela brabe, kim la brabe, ndara ya brabe, même si la li, ambrala, otum otega ka toujours otere, balanti, katini otin tchanja, kera funwa ngandini, sine la maye ambrala, otega ka otere, sine o maye, sime esekma, otega ka otere, katini otin tchanja, kera funwa ngandini, Et brave pour toujours caca mosmo voilà wa ma funa brave au caro tega balala tega ka toujours tega même si la mié l'aller la rampe mendele toujours jo tout mon brave ku ama klampiria au tega la vela bela yibe mpe la vela bela merci la yenu association la yenu association la boro brave la sa simaka tabadae tega la yela bro intégrer adhérer à l'association je vous attends nombreux nous vous attendons pour ce devoir de mémoire ensemble. Allez, allez, allez vous inscrire, venez, voilà, contacter, appeler, voilà, pour souscrire et fédérer. C'est notre maillon, c'est ensemble,
Rendons hommage à nos parents, à nos ancêtres. La Belade, merci, merci. Ainsi s'achève notre live numéro 36. Merci, merci. Le Téké dans son espace, du temps de nos ancêtres à nos jours, c'est bien cela, le devoir de mémoire. Merci. Merci. À dimanche prochain, la suite de notre devoir. Chaque enfant téké devrait se ressaisir et voilà, se reconnecter à sa source, transmettre ses notions à nos enfants, partager le live, partager les émissions, participer à ce devoir, à ce relais, en partageant les émissions. Voilà, dans vos forums, sur vos pages, diffuser le message, diffuser. C'est participer, c'est aussi, voilà, faire ce travail ensemble. Téké, Pierre, enfant téké. Bonsoir, merci, merci. À dimanche prochain. Hommage à nos ancêtres, le peuple téké, toujours fier. Princesse Adeline, princesse téké depuis Lyon, mes salutations à mon beau peuple. La belle Adé, merci.